toi qui as mis le plastique là? Non, non. Du moteur pour cacher la lumière dans le fond. Un peu plus à droite. Encore un peu à droite. En fait, ça se dévisse à la main. Ça se dévisse tout simplement à la main. Et pourquoi t'as pris un autre cric? Parce que mon cric bleu, il a du mal à monter en charge. Petite difficulté pour retirer cette rotule là, hein, ici. Donc j'ai vu un tuto de chez Vroom qui met une clé de 16 ici pour pouvoir arriver à faire levier et à sortir. Donc je vais essayer de faire ça. Donc j'ai une rotule ici et j'en ai une autre qui est cachée là derrière. Voilà, là on voit le câble. Et en fait, non, c'était pas le câble. Si, le câble est là. Et la rotule doit être là. Et la rotule est là, voilà. Un peu flou. Allez, ok. Bon bah une clé de 16, ah si ça passe. Bon bah j'y arrive pas, elle est passée la clé de 16, mais je n'y arrive pas. Bon, on va chercher autre chose. Récalcitrante cette rotule là. Alors avec une clé de 13 ça passe pas mal parce que la dimension, la fourche est plus petite par rapport à la rotule et ça appuie mieux sur la partie rotule femelle qu'on aperçoit ici. Donc j'ai réussi aussi à dégager la rotule qui est derrière là-bas. Très facilement, hein, j'ai mis la clé de 13. Et puis bah, j'ai fait levier, et puis hop, c'est parti. Donc voilà, le support de câble est déposé. Il ne reste plus que toutes les vis de la boîte à déposer. Avant, il y a le support moteur droit. Pour pouvoir déposer ce côté-ci, il va falloir soutenir le moteur. Ici, je vais sangler la boîte de vitesse pour la porter et puis je vais la descendre tout doucement. Avant je vais m'occuper de la dépose des injecteurs par le dessous, les injecteurs gaz. Pour cela je remonte la voiture au plus haut et je vais accéder par le dessous pour déposer ces injecteurs. Côté dépose, bon, en bas.
ici au milieu. L'écrou, fixation boîte de vitesse, bloc moteur. Donc il y aura une petite patte qui permet de tenir le fil de la sonde lambda, qui lui-même après le connecteur de la sonde lambda se trouve ici, sur un support qui lui peut être démonté. Alors, par cette grosse vis là, fixation boîte de vitesse, au bloc moteur. Ici.